Ça, c'est fait. Alors, on a le temps de lire, mais c'est super beau. Ah oui, c'est un niveau qu'il faut faire. On peut le faire en une fois, mais bon. Si eux, ils meurent, on est dans la merde, là. On a eu quoi? C'est pas un éléphant, on l'aurait vu. Même le livre est quasiment vrai. Ces hommes sont-ils bons? Leur dur labeur dans les champs nourrit la nation entière, mais à quel prix? Ces citrouilles mutantes sont-elles le fruit de sordides expériences forçant d'innocentes courges à consommer la chair de leurs congénères? La protection des récoltes justifie-t-elle le recours à des épouvantails psychopathes? Et les loups, on en parle? À toi de voir si tu veux les sauver. Oui. Ah, si je veux mon colis, faut les sauver. Les poules. Ah bah elle est plus corps tout seul. Alors faut guider les poules vers le gras. Depuis que les démons des ténèbres ont capturé les fermiers, les animaux n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Ok. Ça a l'air de l'amuser quoi. Les poules elles mourent de faim. Non, de l'autre côté. Bouffez. Ah bah voilà, préparez-vous en deux. Ouais, si tout n'est pas parti, on va pas se calmer dessous. Mais bouffer la faim? Mais... Allez, on bouffe. Apparemment, il y a des trésors là-dedans. Et il y a un bouton accessoirement. Voilà. Accessoirement. Mais bouffer ce blé. Mais bouffer ce blé, que puis-je passer? Ils sont sympas, les démons de l'ombre en attendant. Voilà, il n'y a plus de grains. Là, il faut faire vite. Attends, il est lugubre le château de Pérégrin. Bienvenue au château Pérégrin. À l'époque du roi Pérégrin, cet édifice majestueux abritait le trône ainsi que toute la famille. On le connaît. Aujourd'hui, il n'abrite plus que des fantômes et des souvenirs oubliés. Faut qu'on tue les démons de l'ombre. Je vais recommencer le niveau. Ouais. Attends, non, on va aller voir le niveau. On peut pas perdre les villageois. Il est sorti de la foule. Pour avoir tous les démons en même temps. J'espère qu'elle trouve que les démons. Oui, n'est pas appuyé sur le bouton. On a compris. Allez les poules. Et normalement, si on les sauve tous, là, il y a des trésors. Mais... j'ai pas l'air. Ils sont pas très motivés, ces poules. Tant qu'ils bouffent. Allez. Derrière moi ce bouton.
là que le collège est ici en face. Et montre-moi ce gant. Allez. Ouais. Sur l'affiche, on pourrait croire que c'est... que c'est le gant de Thanos, mais non. C'est un peu plus petit. Passer par là, hein. Non? Ah! Ça aurait pu marcher sans les tous, celui-là. Hein? Ah, des bonbons. Évidemment, il n'y a pas de saut, alors demandons. Mais là, je sais plus ce qu'il faut faire. Et ça m'embête bien. Non! Ah, on peut recommencer. J'ai un peu gâché mes réflexes. Pas appuyer sur le bouton. Je fais brûler ma truc. Ça m'aide pas, mais je fais le faire. Je vais pas tuer le feu. Là pourtant avoir un moyen de... Ici c'est de l'huile hein, donc on va éviter. Je peux pas me toucher, je peux pas les toucher non plus. Avec l'armure de dragon, je peux marcher sous le feu l'état. Non. Brûler le feu ne marche pas. Transformé en... Comment on fait? J'ai envie de faire ça, hein, pas pourquoi. J'ai l'impression que faire ça c'est la bonne idée mais... Éteins-toi. Ah voilà, je l'ai eu. Faut l'écraser. Beaucoup de fois. Je veux charger, ça marche pas. Voilà, là il brûle plus. On va prendre des armes normales maintenant. Il crie toujours autant. Merci de nous avoir sauvés, monsieur. Pardonnez-nous, maître. Nous n'avons pas de cochon à vous offrir.
offrirons. C'est pas grave. Tout, mais nous serions honorés si vous acceptiez ces cailloux dorés et brillants en témoignage de reconnaissance. L'or, on prend toujours. Voilà. On a nos pourcents. C'est un niveau chiant. Je me rappelle maintenant. Il n'y a pas que ça qui est chiant dans ce niveau. Il y a un truc à la fin aussi. Non, de toute ma vie, donc c'est bon. Chaud devant. Cette huile bouillante te frira le squelette à coup sûr. Trouve un moyen de fermer les ouvertures par lesquelles l'huile s'écoule. Je veux dire avec la pierre de terre. Ah mais ça va par là aussi. Parfait. Oui, je vous l'ai dit, c'est de l'huile qui sort là-bas. Bien. En pire, il y a une flotte là-bas. Pourquoi tu tires sur ton propre château, Pérégrin? Donc tes canons ont pas l'air très très puissants. Hein. C'est combien les flèches magiques? 10%. Hop. C'est cher. Allez, la haute, on va prendre. On a combien de pourcents? 40. Ça monte pas vite, hein. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de combats? Non, hein. On a pas des feux tous les 2 mètres. T'es censé être avec moi, les mecs. Demande dans la merde, on n'avait pas pris la rune du cœur. C'est un coup qui sort et qui me tue. Un bouclier d'argent. Cool. Quand il ne peut pas donner bouclier d'or et le bouclier de bronze, c'est un peu nul. Cela faisait longtemps. Bienvenue au château. On connaît, vraiment. Quelle tristesse que tu découvres ces ruines. Le joyau de la couronne de Calomère est devenu le refuge dépravé de l'armée de Zarok et de ses démons des ténèbres. Oui, parce qu'on est le compteur du roi, donc on connaît le château. Il y a beaucoup trop de vie. Voilà, comme ça l'autre fois qu'on les avait rempli aussi. On sait quoi faire. Hein. On est pas sans... on est pas obligé de l'avoir, hein, mais... Voilà. Plus de problème. Voilà devant ce qui était jadis la somptueuse salle du trône du roi Pérégrin. Aujourd'hui, de terribles démons rôdent alentour. Ce qui ne doit pas particulièrement réjouir le pauvre spectre du roi. Le roi est toujours là, moi. C'est sorti, ça. Non mais oh, pour qui? Bon, en même temps...
avec son lalab, hein. Des monstres noirs dans l'ombre? Ouais. Je suis pas censé avoir des... La lave ici? Bah, tu vois bien qu'il y a un monstre là. Où est ma lave? On sait où se trouve le... Ah là. On sait où se trouve le calice, hein, donc... 81%. On avance pas bien vite. La couronne du roi. Parfait. Pourquoi il a fait tomber là, je sais pas. Le château se dresse au sommet d'un volcan endormi. Si cette porte gigantesque venait à s'ouvrir, la température ambiante grimperait à coup sûr de quelques degrés. Ça va, quelques degrés. On a l'armure de feu, donc on risque rien, vraiment. Bon, il manque 20% quand même. Hein. Mais bon, le calice est à la sortie, donc... On croise parfois le fantôme du roi Pérégrin errant dans ses salles ou assis sur son trône l'air déconfit. Si tu mettais la main sur sa couronne, peut-être réussirais-tu à l'invoquer. Ben, invoquons-le, madame. Sœur Fortesque, le plus noble de mes courtisans, le plus courageux de mes capitaines. Quel triste moment pour nous rencontrer lorsque le destin de ce royaume repose encore sur toi. Grand Dieu Fortesque, qu'est-il arrivé à ta mâchoire? Mon pauvre vieux, regarde, l'armée des démons des ténèbres de Sarok se cache sous nos pieds à l'intérieur de cette montagne. Et il se prépare en ce moment même à envahir... Il reste plus grand-chose, hein. Pour contrer ses plans, nous devons faire s'écrouler le château sur eux et libérer la lave derrière les portes. Je peux te conduire au levier des portes, mais tu devras l'actionner seul. Bien sûr, il s'agit là d'une mission très dangereuse. Même pour un macabre, j'imagine que lorsque ce monstre verra ce que tu fais, il s'emploiera à te faire passer l'éternité dans le tourment le plus atroce. Mais je sais que ces choses ne veulent pas dire grand-chose pour un homme de ta trempe. Hein, Fortes ? Super ! Bonne chance, mon ami ! Il en manque juste les golems là. Oh, ils sont derrière. J'ai pas envie d'actionner ce truc. Vas-y. J'ai pas envie. J'ai pas envie, mais y a pas envie non plus. Il change d'arme. Appuie sur le bouton. La lave a été libérée, Sir Dan. Le château s'effondre. Il te reste très peu de temps pour vaincre les golems de pierre. Père, qui va se déchaîner ici? Non, de l'autre côté. Dan, il a un peu bugué. Ok, faut charger. C'est bien fait de prendre le marteau.
Allez, dégage! Allez! L'autre a dégagé tout de suite! Il a décidé de pas mourir, lui! Hein. Il va vraiment me faire chier! Ah oui, si on le temps est. Et à zéro, on verra. Ah, j'ai pas gardé tout. Il faut que je les tue encore. L'arc de ma vie, que ça marchait bien. On va pas là. On a. Allez, encore un, c'est bon. Il est où? Et toi là? Ok, c'est bon. On fait plus que je meurs. Une minute. On monte là-haut. J'ai pris un mur, quoi. Et si on s'en foutait? Dan, t'as 40 secondes pour monter dedans. On a le calice, hein, c'est bon. Oh, la Russie. On décolle, on arrive dans le héros et puis on retombe en bas. C'est bon. Pouh. Allez, avance. Il resterait deux niveaux. Voire trois, s'il y en a un autre en face. Ah, c'est soit elle. Pas lui. Ah, que elle, ok. Ça va, le temps a été bien géré. Avant, c'était au poil de cul, mais là, ça va. Salut l'étranger. J'ai un petit quelque chose pour toi. Ferme ton œil et tends les mains. Oh, de la vie. Bon, c'est pas vraiment un cadeau génial parce qu'on peut en avoir autant qu'on veut. Mais on prend. Bon, bah je pense que la fois prochaine, on fera les 30 derniers niveaux. Le boss final va être vachement long. Bah, il va rester quoi, le bateau, la salle du temps et le boss final en fait.